Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces petites cages afin de pouvoir former très facilement des petites boucles d'oreilles, des pendentifs et autres. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il vous faudra du fil aluminium de 2 mm, une pince coupante et une pince en bourron. Donc commencez par prendre 8 à 10 cm de fil aluminium que vous allez chauffer entre vos mains pour permettre de pouvoir le travailler plus facilement. Donc ensuite, vous allez prendre l'extrémité de votre fil que vous allez légèrement pincer avec votre pince et que vous allez rouler sur lui-même tel un escargot. Donc faites très attention avec votre pince de ne pas endommager votre fil, donc n'appuyez pas trop dessus. Et ensuite, lorsque vous avez suffisamment de prise en main, vous continuez votre petit tourbillon avec vos mains jusqu'à plus ou moins le quart. Donc ensuite, vous allez prendre l'autre extrémité de votre fil, vraiment face à l'autre boucle, et vous allez procéder de la même manière et réaliser la même chose. Donc vous allez ensuite terminer avec vos mains et faire en sorte que les deux boucles soient plus ou moins de la même taille. Et une fois que vous aurez plus ou moins obtenu la même chose, et bien vous allez les tourner en même temps jusqu'à ce qu'elles se rejoignent. Une fois qu'on a quasiment la même chose, on va prendre notre pince que nous allons insérer au milieu et nous allons enfoncer les boucles vers l'extérieur. Donc si c'est pas bien fait, c'est pas très grave puisqu'on va pouvoir remoduler avec nos mains. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté mais en sens inverse, donc toujours en poussant vers l'extérieur. Et lorsque c'est fait, vous modulez avec vos mains. Puis vous allez tout simplement rassembler les deux morceaux en un seul. Et voilà,